Bon, ma petite dédicace à mon ami Bruno. Voilà. Le nombril de Vénus. Mais regarde tout ce qu'il y a, Bruno. Il y en a plein, 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 plein. Bon, bah, je pense qu'on va se faire une petite salade ce soir. Voilà. Donc, je récupère ça au retour de la balade. Donc, là, on est à la rivière. Oh, tata. Hop là. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, là, on est à la rivière. Donc, là, c'est. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Puis là, il y a Timaël qui est là. Et puis mon ami Steve qui est au fond là-bas. Donc voilà, la petite promenade de fin de journée. Allez, c'est reparti. Go, 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 go. Allez, bisous, bisous. Petite astuce, là, quand on n'a pas de sac, eh ben, on met ça dans une capuche. Voilà. Allez, petite astuce. Bon, petite salade, hein, ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il fait nuit. Il fait presque nuit. Oh, secours! Là, il y a Steve qui est là. Il ramasse. Allez, chef! Ramasse! Ça fait 15 jours maintenant que Timaël est avec moi. Donc voilà, c'est le dimanche. Donc là, sa mère va venir le récupérer. Donc on va aller faire un petit casse-croûte, je sais pas, McDo, je sais pas. On verra comment ça se passe. Donc il y a Timaël qui est là. C'est le dimanche, c'est toujours moins, pas très agréable toujours hein, pour le retour à l'école. Aussi parce qu'il quitte son père. Oh, qui est mignon. Puis après, bah, c'est retour chez les Foufileurs, normalement, ce soir. On verra bien comment ça se passe dans la journée. Donc voilà, bah, je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti mon kiki. Bon dimanche. Ciao, ciao. Hey, salut les amis, comment allez-vous? Eh ben moi, je vais super bien. Donc là, je me prépare pour aller faire une petite balade, donc au bord de la mer. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu un truc que j'ai vu sur au niveau de la plage de Sainte-Marie-la-Mer. Et en fait, ça s'appelle le chemin des bunkers. Donc j'étais curieux. Apparemment, il y aurait à peu près 5 bunkers. Donc on va aller faire un petit tour là-bas pour voir ce que ça donne. Donc là, avant de partir, eh ben, hop, on se fait plaisir, hein. Donc là, ouais, malheureusement, je suis tout seul parce que bah, Timal, bah, forcément, je l'ai ramené. Et puis voilà, donc on va profiter de ça. Je voulais faire des travaux au niveau de bah, mon bouchage d'évier. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Et là, je pense que demain me mettre bien, bien, bien dessus et je vous montrerai quelques petits plans là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, c'est tout. Allez, c'est parti, mon kiki. Ciao, ciao. Alors comme vous pouvez le voir là, en fait, tout ce qui est barriéré, tout ça, c'est protégé. Donc ça, je trouve ça c'est bien, parce qu'en fait, les bords de plage sont préservés. Donc moi, le but, bah, c'est d'aller juste derrière là-bas. Et en fait, vous voyez juste au bout de mon doigt là, il y a déjà un bunker. Et j'en ai vu un juste derrière là-bas. Donc on va aller voir ça immédiatement. C'est parti! Vous avez pu le constater, ben en fait là c'est je peux pas rentrer dedans, ça
ça c'est embêtant. Donc je sais qu'il faut que je fasse le tour là derrière. Il y en a encore un, mais il y a des barrières. Alors je sais pas si, vu qu'il y a des grillages au fond. Ouais, ça c'est embêtant. J'aurais bien voulu faire un petit urbex, mais il y a quand même ce petit là. Ici. Donc on va aller faire un petit tour dedans, quand même. Hein, qui au moins quelque chose à voir. Allez, je vous reprends devant. Bon, voilà, je viens d'arriver devant. On va regarder ensemble comment que c'est dedans. Bon bah c'est pas un gros truc, hein. Je pense que c'était un truc de contrôle. Ouais, il doit avoir... Ouais, il y a une entrée là. On va aller voir de l'autre côté. Ouais, je pense que c'était une tourelle. C'était une tourelle, je pense. On voit bien au-dessus là. Qu'il y avait une tourelle. Et là. Elle est où l'entrée? Bah, j'ai bien vu. Ah ouais, c'était les escaliers. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est pour rentrer par là. Bon bah voilà. Bah c'était pas gros, hein. Mais par contre, c'est vraiment sympa quoi, le cadre là. Je suis tout seul. Bon, il y a un peu de pluie, le grillé, mais j'entends la mer là-bas, à mon avis, elle doit être bien déchaînée. Bon, on va aller voir ça. Allez, c'est parti! Derrière moi, donc c'est Sainte-Marie-la-Mer, et puis derrière l'autre côté, et ben c'est Barcarès. Voilà, donc voilà. Donc, ben moi je repars sur Sainte-Marie-la-Mer par la plage. J'ai failli m'enfoncer. Ah, c'est pas le même, même sable que dans le sud, hein. Enfin, si on est dans le sud, mais côté de Montpellier. On s'enfonce. Ça va, j'ai mis mes chaussures. Je sais pas si vous m'entendez. Donc voilà, allez, c'est reparti par là-bas. C'est trop beau. Magnifico. Je suis trempé. T'as vraiment un loulou? Mon loulou. Comment ça va, Chacha? Super bien. Ça va, mon cœur? Oui. Ouais. Ouais, loulou. Mon cœur. C'est déjà fini, là. Bon, ben voilà. Bonne petite balade. Je me suis arrêté à la boulangerie. J'ai pris des croquettes pour moi. Des bonbons. J'adore les bonbons. Et moi aussi. Timal le sait. Oui, je sais. Mais moi j'ai rien. Voilà quoi. Bon, on va faire sécher tout ça. J'espère que cette balade vous aura plu. Donc, bah voilà quoi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et là-dessus, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Des bisous.